Moi, ça arrive. Je sais pas, c'est une grosse mouche. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir à l'armoire qui est derrière moi, je ne suis pas dans mon setup habituel. Puisqu'aujourd'hui, je vais enfin, après des semaines à en avoir parlé, je vais enfin trier l'armoire de Robin. Je vais la vider, tout mettre par terre, on va tout trier. Robin va essayer au fur et à mesure les vêtements qui pourraient être trop petits et on va tout ranger et vous allez voir, ça va être hyper satisfaisant. Soyons honnêtes, ça va être trop bien. Vous allez voir, c'est le bazar dans son armoire, c'est horrible. Voilà, j'ai un enfant qui fouille dans son placard pour prendre les affaires qui l'intéressent. Allez, je vide. Bon, voilà, j'ai tout sorti. Ça passe du linge de lit au pyjama, aux chaussettes. C'est le bordel, je sais même pas par quel bout commencer. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Je pense que je vais prendre au fur et à mesure les pièces, les trier et après on verra. Je vais déjà dans un premier temps trier ce qui est encore à sa taille, ce qui n'est plus à sa taille. Bon bah c'est parti. Oui, Alexandre. Voilà, j'ai fini de tout trier, j'ai fait un gros tas de vêtements à vendre, je pense qu'en fait je vais plutôt les donner. Je pense que je vais les donner genre à une asso ou à des magasins qui font des collectes de vêtements pour après les revendre à pas cher. Enfin voilà, je sais pas encore, mais j'ai pas envie de m'embêter en fait avec Vinted au final. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui cherchent des vêtements, je suis la première à acheter sur Vinted, hein, je dis pas. Et ça va me prendre du temps, et là clairement avec le déménagement et tout, j'ai pas envie de déménager un sac de vêtements qui va être vendu. Là j'ai fini de trier, du coup je vais tout ranger dans la partie armoire, et il y a la partie penderie après, que pas forcément beaucoup de choses de penderie dedans, mais c'est quand même à trier parce que c'est du rangement. Voilà. Donc voilà le tas de tout ce que j'ai trié. Je préfère faire un don à une asso que de le mettre sur Vinted. Voilà, c'est mon point de vue là-dessus. En ce qui concerne l'armoire de Robin, je vais vous montrer déjà la partie penderie. Donc j'ai gardé son manteau de mi-saison qui lui va encore. La chemise, c'est une surchemise épaisse, elle est super bien, je me rappelais même pas qu'il avait ça. Donc je les ai gardées puisqu'elles sont encore à sa taille. Ça, j'ai proposé de le donner sur Facebook aux gens que je connais, mais sinon ça va partir à la déchetterie. Les chaussures de Robin, on a vérifié avec Robin, elles sont encore un petit peu grandes. Et ensuite, on retrouve, donc là c'est tout son linge de lit. Là c'est chaussettes, sous-vêtements. Et dans le fond, là, c'est ses doudous. Là on a t-shirt avec derrière les pantalons, ensuite au fond c'est les pulls et là c'est les shorts. Et là en bas on a les pyjamas, sur pyjamas et vêtements qui craignent rien pour faire des travaux. Voilà. Voilà, ce fut une vidéo je pense assez rapide puisque j'ai pas beaucoup peur de rush. Voilà, moi ça m'a permis d'y voir un peu plus clair dans l'armoire de Robin parce que je gardais des trucs qui étaient beaucoup trop petits pour lui. Je veux pas le voir grandir je crois en fait Robin. Donc voilà, et non du coup j'ai fait un bon tri, je suis contente. Donc voilà, je vais faire du tri sur mon Vinted, je pense que je l'aurais annoncé. Là je vais faire une story, moi on est le 20 avril, je vais faire une story sur Insta pour dire qu'il ne reste que quelques jours sur mon Vinted pour les articles qui sont dessus. Tout le reste, enfin tout ce qui est sur Vinted qui sera pas parti, ça sera asso, c'est avec le déménagement. J'ai pas envie en fait de trimballer des choses qui au final partiront en asso. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que ça plaît à beaucoup de gens de voir
les gens en rouge. Je trouve que c'est hyper satisfaisant en fait, surtout quand on voit le avant-après. C'est hyper satisfaisant. Franchement, l'armoire de Robin, elle ne se ressemble plus. Et j'ai dit à Robin, t'arrêtes de fouiller dans ton armoire, tu me saoules. Et pour ceux qui se demandaient pourquoi Robin a une armoire comme ça, c'est parce que c'était mon armoire de petite fille. Mes parents en fait l'ont gardée. Et quand j'ai emménagé à la maison, j'avais besoin d'une armoire pour Robin. Que je foutais autant de bordel que mon fils dedans, pareil. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.